chocolat. 100%, il y a quelque chose. 100%. Pray at shrine. We will pray at shrine. Qu'est-ce que c'est? Ah. Give me your power. L'ancien shrine t'offre une vitalité, un cristal de vitalité. Coexant 4. Et ta vitalité sera toujours boostée limite, quoi. Très bien. Du coup, il m'en faut 4 pour augmenter, je pense, un petit slot de vie en haut. Voilà, voilà. Ah, tu es merveilleux, merveilleux. On ne peut pas rêver mieux. Du coup, on continue l'aventure. On peut pas le casser. Oh, oh là, je suis ton meilleur ami. Allez. Non, je me remets de touche. Dire donne la vie là. Voilà, voilà, on m'écoute, on donne de la vie. Ça pue le combat. 100%. Y'a quoi de l'autre côté? Attendez. Attendez un petit peu là, les amis. Là, y'a quoi ici? Là, y'a une super statue. Là, y'a une superbe porte. Là, y'a un superbe pont. Là, y'a rien du tout. C'est triste, c'est triste. On repart dans l'autre sens du coup. Ah, mais bon... terrible. Du coup, moi, avec toutes ces échelles, je suis perdu. On peut pas sprinter. Peut-être aller... tracer là, un peu, là. Bon, allez, c'est parti. Ah, il va. Qui es-tu? Oh, je peux renvoyer les balles. Enfin, les... très magiques. Très bien, intéressant. Vas-y. Ah... ah mais bon, mets-toi pas derrière des... voilà, là c'est bien. Allez! Yes! C'est pas passé loin. Hein. C'est pas qu'il se dévie un petit peu, mais bon, il est en ligne droite. Là, on se calme. Merde. Ah,
place. Par contre, niveau Bishop, risette. Hein. Ristret plutôt. Ça va, on continue. On est comme ça. Là. Même pas peur. Comment on y accède? Petit raccourci, les amis. Alors, qu'on a raccourci, on n'a plus de vie. On va la jouer intelligemment. C'est-à-dire qu'on va simplement prendre la porte ici présente, retourner dans notre QG général, améliorer nos armes et notre vie, bien entendu. Petit corbeau. Est-ce que tu as récupéré de l'énergie? Viens ici et on peut faire un échange. Enfin bref, c'est vers lui que je dois aller, quoi, pour donner l'énergie que j'ai reçue, que j'ai pris pour échanger contre de l'équipement. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Bienvenue au Flamme. Est-ce que tu veux améliorer tes combats de... Alors, nous avons quoi? Nous avons la force. Nous avons la dextérité. Nous avons la rapidité. Et nous avons la magie. Très bien. 400. Alors là, plus de dégâts au niveau de l'arme, plus tu tapes plus vite, plus de précision. Là, au niveau rapidité, mouvement et les cooldowns, donc tu as des compétences, ça se recharge plus vite. Et là, bah, c'est tout ce qui est magique. Alors ça, on n'a pas encore, à moins qu'il faut l'utiliser pour avoir le... l'arc, ce serait intéressant. Je veux l'arc. Mais oui. Ah si, c'est bon. Ah non, mais toujours. J'ai acheté ça pour rien. Ah non. Ah non, c'est B. Ah mince, ça m'utilise des machins. Oh merde. Comment je récupère? Oh non. Mince. Lost Cemetery. The Grove of the Spirits. On était là, non? Non, nous on était... Ah zut! Je me suis trompé! Oh putain, cette lumière! Nous on est au cimetière perdu. Voilà! Ah, et du coup tu peux récupérer de la vie où tu as planté tes fleurs! Ah, puis là, ça me recharge mes armes. Allez, là. Voilà qui est fort intéressant, tous les coups. Ok, cette fois, on est bon. J'ai bien fait de prendre ça. Ah, cinématique. Trop bien. Et c'est quoi ce massin? Un château blanc? Le gardien de la porte. Ok. Tiens. Mis de coups, on y va. Dans le pouvoir de l'arc. Oui. Enfin, bon. Ah. La musique s'est arrêtée, je lui dis putain, ma one shot. Maintenant. Mais... compliqué.
commence à être fissuré. On brûle le A. Dommage. Bon, on va essayer d'utiliser un peu les missiles. Déjà ? Missile va se calmer direct. Ah, allez. Au revoir le gardien. À bientôt. Bon, il a fait un rondement mené, les amis! Alors là, on peut pas passer. Là, les petits champignons. Ils explosent! Oh, ça me donne des flèches. Nous avons donc un verrou ici. Que nous allons tout de suite utiliser. Qu'est-ce qui est élevé? Petit raccourci, débloquer les amis. Trop bien. Bah voilà, deuxième boss battu. Plutôt pas mal, on s'est bien débrouillé, je trouve. Alors, tac 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 tac. Quelle est cette. Comment on va. Les sortes de portails là, je pense qu'on a une sorte de téléportation, de machin, pour aller plus tard. On pense qu'on peut rien faire. Est-ce qu'on se porte une graine? Ah, je sais pas. Allez, d'accord. Est-ce qu'on la prend? Non. Pas pour l'instant. Au pire, on revient en arrière pour la prendre. Alors là, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Je veux dire, c'est un passage secret. Ouais. Là, il faut une clé. La clé est là. Ok. Là, il y a une échelle. Quel est donc cet objet? De trouver de l'encens. Sont vraiment non. Ça sent très fort. C'est vraiment très fort comme équipement, mais c'est juste, ça sent très fort. Ok, mais à quoi sert l'encens? Encore une énigme à résoudre, les amis. Bon, écoutez, on va aller là-haut, on va pas prendre la vie, on va aller voir la grande arène, ce qui va se passer. La porte. Oh, bonjour, Fledgling. Désolé si je t'ai tapé sur la tête, mais j'avais besoin de cette âme. Tu vois, je suis un faucheur comme toi. Depuis des années, voilà, il a fait ça pendant des années, blablabla. Quelle est cette porte mystérieuse auquel il fait l'échec? Death Door. The end point for our life. C'est le but final, quoi, finalement. Je crois que c'était juste une légende. Parce que je sais que toutes les doors ont du pouvoir grâce à l'énergie des âmes. Thank you.
vieille sorcière. Il te dit un peu les endroits où il faut aller. Lui, il est trop vieux pour faire ce qu'il faut. Ah, je comprends bien l'anglais. Mon dieu. C'est vraiment dommage. Je vais mettre un petit défaut à celui-là. Du coup, là, les amis, on a une porte qui est bloquée. C'est la vraie, enfin, c'est la fin de la porte. Et, enfin, c'est vraiment la porte. The porte. Et du coup, pour l'ouvrir, il faut aller à divers endroits qu'il nous a montrés. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc voilà, donc maintenant. Voilà la clé! Merveilleux! C'est ça qu'on veut, monsieur! Allez, on unlock. Alors déjà. L'échelle! Oui, monsieur, l'échelle. Witch's Mansion. Ça compte. Witch Mansion. Là, il y a un petit chemin mignon. Ouais. Ça sent l'objet caché. Ça sent l'objet caché, moi je dis. Oh, une méga échelle. Une méga cloche. Moi, je peux monter comme ça. Bon, bref. On peut pas y aller, ça sert à rien. Voilà, voilà. Là, y a, je pense qu'il y a rien du tout à prendre. Là, non. Je suis caché, y'a rien. Là y'a quoi du coup, on a débloqué l'échelle. Cool. Je suis où? Putain, je suis totalement perdu. Mais j'ai déjà été là. Tu quoi ce machin? On va aller au Witch Mansion. Ce sera beaucoup plus simple. Hein. Là, je m'égare dans les diverses structures. C'est vraiment le chemin le plus facile. Voilà, allez. C'est là qu'il faut aller. Oh, voilà, nous. T'es direct. On va déjà aller là. Bonjour. Bonjour. Ok, dernier. C'est cool. Dernier quand même. Hop là, le petit levier pour la double flamme. On va quand même aller voir là-bas ce qui se passe avant d'aller vers les flammes. Je pense que c'est l'autre chemin. Salut, on peut pas y aller. Tu vois, regarde. C'est pour ça que je... Et là, voilà, ok. Très bien. Ok, écoutez. Nicalus Popitus, comme on l'appelle. Ok, là c'est un ascenseur. Fermé. Nous descendons dans les tréfonds, les amis.